Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? On va commencer ce vlog ou continuer ce vlog. Je sais absolument pas où j'en suis du vlog parce que je suis pas régulière en fait. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer une petite sélection de bijoux que j'ai réalisé sur le site d'Anna Luisa. Vous savez que j'adore profondément leurs bijoux. D'ailleurs ici j'ai un collier de leur marque, et j'ai aussi un bracelet que je ne quitte pas. D'ailleurs, je pense que vous me voyez tout le temps avec. Il n'a pas bougé, je me lave, je dors avec. Franchement, il n'a pas bougé. Voilà, donc ils m'ont proposé de faire une petite sélection pour la fête des mères que je me suis empressée d'accepter, surtout voilà, pour pouvoir faire découvrir la marque à ma maman. Du coup, j'ai choisi trois bijoux. Par contre, il y a eu un petit hic, j'ai eu la bague en deux fois, sauf que c'est pas la même taille. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, je me suis empressée de la porter. C'est celle-ci, regardez-moi cette beauté. Petite bague torsadée comme ça, elle est magnifique. Donc, vous avez, j'irai, donc moi je l'ai pris en taille 8. Celle-ci, elle est pleine, hein. Elle est pleine. Celle-ci, je dirais, c'est la moyenne. Oh là là, mais celle-ci, je vais me prendre aussi les boucles et tout qui vont avec. Vous avez les boucles magnifiques. Et vous avez celle-ci, du coup, qui est plus grande. Vous voyez? Et c'est de l'or, hein, 14 carats, il me semble. Et celle-ci, elle n'est pas pleine à l'intérieur, elle est ouverte. Donc c'est pour ça que je me suis dit, celle-ci, je vais l'offrir à ma mère. Parce que l'autre, je pense qu'elle lui ira pas. En fait, de base, j'avais pris deux colliers et une bague. Mais vous voyez, là, par exemple, elle ne me rentre pas. C'est trop bizarre. C'est du 8, hop, je vous la mets ici. Et ici, elle me va trop grande. Donc vous voyez, les deux à poser. Bon, les deux à poser, elles sont belles aussi, hein. Elles sont très, très belles. Hop, plutôt comme ça. Magnifique, vraiment magnifique. Je suis amoureuse de leurs bijoux, j'aime trop. Voilà. D'ailleurs, il y en a pas mal qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup de votre confiance. C'est vraiment des bijoux de bonne qualité. Voilà, dorés, soit à l'or 14 carats, soit à l'or 18 carats. Et ils font en fait attention à tout ce qui est, à tout ce qui est environnement, tout ce qui est empreinte carbone, etc. Donc, voilà. Et c'est un atelier new-yorkais. Hein. Ça se situe aux States. Donc voilà pour celle-ci. Franchement, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Franchement, c'est pour la fête des mères. Sinon, j'aurais tout gardé, quoi. Donc voilà, toujours dans un petit pochon comme ça, trop mignon. Et ensuite, petite nouveauté, ça c'est le collier que je lui ai pris. Donc je vous montrerai en fait la petite surprise quand je vais lui offrir. Et regardez-moi le magnifique collier que je lui ai choisi. Regardez-moi le magnifique collier que je lui ai choisi. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc c'est, il n'y a qu'une taille, hein. Et alors attendez que j'essaye de l'ouvrir sans faire de bêtises. En fait, c'est une sorte d'enveloppe à l'arrière. Ouais, vous voyez, qui contient le collier. Bon, de toute façon, je vais l'enlever. Hop. Et regardez-moi la beauté, que ça soit au niveau de la chaîne qu'au niveau en fait du pendentif. Hop, voilà un petit pendentif comme ça, couleur émeraude. Il est très très beau. Très très joli. Non, mais il est d'une beauté. Non, mais moi, je suis fan. Je suis vraiment fan. Regardez-moi ça. Il est très très beau. Donc celui-ci, je ne le porte pas, voilà, parce que c'est pour ma maman. Mais en tout cas, j'ai trop trop hâte de vous montrer les essayages sur elle. Parce que je lui offrirai, bon, du coup, avant la fête des mères. Hein. Je vais lui expliquer. Mais franchement, trop 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 joli. Je suis vraiment trop trop fan. Voilà, donc du coup, je vous mets les liens des bijoux en barre d'infos. Je ne pense pas avoir de code promo, mais si j'en ai un, je vous le mets également. Regardez-moi la petite pochette, comme elle est belle, elle est aimantée, ça change des autres, vous voyez. Et vous avez deux, vous voyez, vous avez deux compartiments. Trop, trop joli, trop mignon. Donc voilà. Ça arrive toujours dans une petite boîte comme ça via DHL, une petite boîte 100% en papier recyclé. Du coup, j'ai pas de code à vous donner, mais il suffira de cliquer en fait sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Voilà, pour avoir les moins 15% sur le site. En tout cas, moi, j'adore que ça soit au niveau. C'est vraiment de la super bonne qualité. Les prix sont très raisonnables. Comme je vous ai dit, ils font attention à l'environnement. Franchement, j'adore cette marque. Je suis trop, trop, trop contente et j'ai trop, trop hâte de voir la réaction de ma mère, en fait. Parce que pour moi, je pense que pour tout le monde, la fête des mères, ben moi, ça compte énormément. Donc voilà, moi qui adore offrir en plus, là, je suis trop contente. Donc merci Anna Luisa. Franchement, merci. Je vais pouvoir lui faire connaître la marque. Et voilà, si vous êtes à la recherche d'un petit cadeau pour votre maman ou pour vous-même, surtout, on ne sait jamais, ben n'hésitez pas. Donc voilà pour ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer.
bon. Ah, il y a vraiment. Mais après, quand tu en as. Petite table du jour. Alors, j'aime bien préparer la vaisselle avant et verser la soupe au dernier moment. Hop, hop, hop. Et aujourd'hui, j'ai fait des donuts. Allez, c'est parti pour les travaux. Le monsieur, on a une mini pelle qui est arrivée. On va faire une grosse piscine. Et là, c'est de la terre transformée en cailloux. Ok, tu racontes, petite tête. La mini pelle n'est pas pareille. Bien, moi ça va, donc voilà, je viens de faire, ça brille de fou, et en plus mes cheveux ils ont grave ils ont grave changé de couleur, ils se sont éclaircis avec le soleil. Donc j'ai fait ma 4e séance de botox, super contente vraiment, et vous voyez comme ça pousse. Donc on n'a pas touché hein, on a juste fait le botox et lissage au fer à lisser et séchage bien sûr aux sèche-cheveux. Ensuite je suis passée chez Nose, j'essaierai de vous montrer ce que j'ai trouvé pour 17 euros. Je vais vous montrer, franchement pas cher du tout. Et ensuite je suis passée faire des petites courses chez Lidl. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé plein de trucs sympas. Bon, après il y a beaucoup d'alimentaire hein. C'est beaucoup d'alimentation. Donc j'ai trouvé des yaourts pour enfants en fait de 6 à 36 mois à la poire, et comme Nassim ne supporte pas le lait de vache et il aime pas trop les yaourts ou les végétaux que je vous avais montré de Lidl, donc bon, je suis obligée de reprendre ça. Et franchement, ils étaient pas chers du tout. Hein. Je sais plus à combien ils étaient, ils étaient 1,10€, un truc comme ça. Vraiment pas cher quand on sait combien ça coûte en temps normal. Voilà, j'en ai pris deux à la poire. Hop, ensuite j'ai trouvé, je vais vous dire, j'ai démarré la voiture. Je vais vous dire, est-ce que c'est noté? Oui, à 99 centimes, encore mieux. Ensuite j'ai pris des trucs bio là, au pavot et coco, des biscuits bio de la marque Gerblé, ça aussi. Et pourquoi il y a, ah voilà, 1,49,
Donc ceux-là, ça tape toujours à 2 et 3 euros, hein, pas moins. Ensuite, j'ai trouvé de la viande kebab grillée. Ça, ce serait pas mal pour se faire des petits sandwichs. Donc poulet et dinde à la provençale et c'est halal. Voilà, je vérifierai juste qu'il n'y ait rien de spécial, mais normalement, il n'y a rien de bizarre, je dirais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des lus bio. Le nappé, c'est nouveau. Et il fait 1,29. Donc bien sûr, mais je vais en manger et mes enfants aussi. Hein. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est super bon. Il fait 0,70, il fait 70 centimes à peine et c'est sans gluten en fait. Et c'est gâteau crostatine, crème, noisette, cacao sans gluten. Donc voilà. Hop. Ensuite, je me suis pris une petite bombe dorée. Parce que j'ai envie de bomber des trucs en doré. J'ai trouvé un ballon du Barça. Emile, il va être fou. Bon, par contre, c'est du rose. Je pense que ça ira hein, avec la signature des joueurs. Il va être dingue, dingue. Ensuite, j'ai trouvé juste un petit rangement pour mon nouveau frigo. Il était pas cher. Il était à 1,99. Enfin, pas cher. Il était à 1,99. Mais là, je viens de voir qu'il est cassé. Je pense que c'est pour ça qu'ils le vendent à ce prix-là. Donc je vais voir, est-ce que je vais le garder, est-ce que je vais le rendre. Franchement, c'est pour ranger tout ce qui est fromage et tout. Et ça, je le mettrai dans l'autre sens. Donc du coup, on ne le verra pas. On verra. Mais bon, pour 2 euros, je trouve quand même que c'est abusé. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai trouvé également ce mélange de blédine pour mon fils. Je l'avais déjà testé l'été dernier. Celui-ci, c'est le Musli Vanille. Il fait 99 centimes. Et ensuite... Et ensuite, j'ai repris un petit gant de crin comme ça, qui fait 1,75. Donc voilà pour mes petits achats chez Noz. Rien de fifou, mais je voulais vous montrer ça. Voilà, voilà. Ciao! Amine, ça se passe bien le coloriage? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu colories avec la bouche? Tu es filmé, hein, après le... Non, mais n'importe quoi. On a reçu le colis de Mamie Chima. Coucou papa, aujourd'hui ta maman elle t'a acheté... Pourquoi tu cries? Des épices. Elle m'a acheté mes chocolats préférés en Belgique. Mmh, elle t'a fait plaisir là. Ouais. Des épices. Elle Des dattes. Ça c'est les dattes du Maroc. Mmh, elles sont très bonnes. Chocolat, Renna. Avec chocolaté. Mes petits parfums Nox sont arrivés. Voilà, j'avais commandé trois parfums que je... Oui, je sais. Merci. Trois parfums que je connaissais, du coup. C'est pas la première fois que je commande sur le site. Et en plus, vous savez que je vous en ai déjà parlé, il me semble, à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, ouais, en vidéo et tout, même sur Insta. Du coup, là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. En tout cas, le paquet est super bien présenté. Regardez-moi ça, petit ruban rouge, magnifique, trop beau. Donc là, j'ai trois parfums. Je crois que c'est du 50, hein, c'est pas du 30. Et je vais vous proposer... Tu les avais jamais, ceux-là ? Si, mon amour, j'en ai. D'ailleurs, j'en ai terminé un. Et il y en a un autre, il est presque terminé. Je les aime trop. C'est une superbe alternative, en tout cas, si vous voulez vous racheter vos parfums en beaucoup moins cher. Voilà, et ça vient de la même région, du coup, de Grasse. Je vais vous montrer de suite les parfums que j'ai choisis. Va chercher un verre. Je vais vous montrer de suite les parfums que j'ai choisis. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta parce que je vais vous donner la chance d'en gagner un. Donc, un parfum de votre choix. Un chien, moi, c'est avec maman. Oui, mon amour. Ouais. Hop, et j'adore Insta. Ouais. T'adores Insta, mon amour. Et en plus, on a des pochettes. Hein. Une petite pochette. Ok. Bon. On va regarder de suite. Avec une main, c'est un petit peu compliqué. Je crois que je vais ouvrir et je reviens. Donc voilà, j'ai déballé mes petits parfums et c'est bien du 50 ml. Oui, t'as vu ça? Et du coup, je les ai sentis et je les ai reconnus parce qu'en fait, c'est des chiffres. Je les ai reconnus direct. Et moi, à chaque fois, je me note en fait ce que c'est. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi ça fait pas le focus? Moi, ça m'intéresse. Ça t'intéresse, toi, mon amour? Oui, et ça sent super bon. Donc, le 18, attends. Nassim, baby a la fièvre. Attends, Nassim. Donc le 18, est-ce que ça veut bien faire le focus ou pas?
Donc le 18, c'est le Flower by Kenzo que j'avais eu il y a très très longtemps et que j'aime beaucoup. Ensuite, mon pur poison de Dior est presque terminé. Donc là, je l'ai repris. C'est le numéro 060. Et enfin, j'en ai pris un que je voulais trop trop trop, mais voilà, le prix m'a grave freiné. C'est le Yves Saint Laurent, le Libre. C'est la petite nouveauté d'Yves Saint Laurent. C'est le numéro 24-29. Et voilà, je me suis dit que j'allais me le prendre comme ça. Et franchement, ça sent pareil. Donc voilà pour ces super parfums. Donc voilà pour ces petits parfums. Si vous avez envie de tenter l'expérience, je vous laisse un petit code promo et je vous mets les liens des trois parfums en barre d'infos. Et si vous voulez aussi, j'ai carrément le tableau des équivalences. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je vais donner les bijoux à ma mère, donc de la part d'Anna Louisa, pour la fête des mères. Je lui donne en avance, donc je vous mets le discount juste en barre d'infos. J'ai le mascara qui a coulé et personne ne me l'a dit. Voilà, bref, maman t'es prête? Allez, c'est parti. Hop, attends, comment je vais me mettre pour... Tiens. J'espère que ça va t'aller. Hein. C'est quoi le premier? Oh, une bague. Elle est belle. Elle est belle, elle te plaît. Mm-hmm. Elle te va. C'est quoi? C'est la gauche? Ouais. Va voir. Vas-y, elle va passer, elle va passer. J'ai un peu les doigts. Ouais. Ouais. Elle est un peu serrée. Ah, elle est belle, hein. Elle ressemble à celle que j'ai aussi. Mais en plus grosse. C'est lourd. Oui, mon chéri. Waouh, superbe. Elles sont trop belles. T'aimes? Oui, celle-là est un peu serrée, celle-là. C'est très jolie. Ouais. Ouais. Oh. Et tu ouvres l'autre? Je pense que celui-là, il va te plaire. Il te plaît? Magnifique. Tu veux que je t'aide à le mettre ou tu y arrives? Ça, je vais essayer. Ouais. Trop beau. C'est moi qui te l'ai choisi, hein. Merci beaucoup. Le vert est trop beau. Merci. T'adores? Très joli. Et la chaîne aussi, le travail. Ouais. Et le travail de la chaîne, elle est belle aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment de la super bonne qualité. Bon, t'es contente, maman? Oui, merci. De rien. Je vais te faire un bisou. Oui. Je t'aime. Moi aussi, maman. Voilà. Donc voilà, ma mère est super contente. Donc je vous remets le lien cliquable. Vous avez moins 15% pour la fête des mères. Vous pouvez aussi offrir ça pour l'Aïd, hein, si vous voulez. Et puis voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ma frange qui barre. Et je vous dis à bientôt. Bye.